Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Dead Space 2. On continue aujourd'hui le let's play après tout. Donc là on a découvert que l'on était sur un hôpital d'une des lunes de Saturne, que ça a pété les couilles complètement, que tout le monde s'est transformé en monstre sanguinaire voulant nous déchiqueter, nous, je sais pas pourquoi. Et donc là on va entrer dans le triage médical et apparemment il y a des stases en cours, donc ça on n'avait pas encore, donc ça va être bien, ça va faire un nouveau truc. En plus j'adore déchiqueter des gens, bien évidemment, c'est pas drôle, on a un nouveau message, on va regarder quel est le message. Rapport de maintenance, on s'en bat les culs. Alors, récupérons la star. Bordel de merde! Tiens, coupé un truc. Je peux pas faire de stase moi encore. Enfin, je... Rapide ce fils de pute! Se recharge lentement au cours du temps. Ah, il n'y a pas besoin de réserve alors. Donc, le message, on l'a lu. Waouh! Ah, s'il commence déjà à y en avoir des comme ça, ça va pas être cool. Hein. J'ai pas encore mon armure, moi. Bon, passe-tage. Voilà, ça c'est bon, ça a rechargé, ça fait plaisir. Il y en a deux, ça c'est cool. Commande de sécurité, porte de sécurité ouverte. C'est quoi? C'est des chambres de stase, ça donc on sent pas le steak. Non? Mais quoi? Et pourquoi? Ah! Tu veux fonctionner comme ça, toi? D'accord. Alors, faire ça. Du coup, bah, la stase, je suis obligé de me la taper à moitié. Ça se fait chier. Oui. Oh, mais il se fait gerber dessus! Bon, bah, on a un nouveau type d'ennemi. What? Et toi? Mais t'es dégueulasse! Oh, y'en a un autre là-bas. Ah, les bras ça fonctionne pas avec toi. Eh bah, c'est pas grave. C'est dégueulasse les vomitos là. Oh. Ah, tu peux te faire buter à l'acide maintenant. Incroyable ça. Tiens. Voilà, comme ça je suis sûr que tu reviendras pour toi. Bon, je trouve que ça manque de sens que les ennemis sur eux puissent avoir des objets. Mais c'est fort utile. Encore un point de force. Putain, c'est bon ça. Appuyez sur Y quand vous manquez de stars. D'accord. Ça, c'est que quand on n'a pas assez. C'est Y aussi quand tu t'en sers. Quand tu crèves. Donc ça, il n'y en avait pas avant des vomitos. C'est pas cool.
Moi, ce que je ne veux pas, c'est raffronter des brutes. Un truc énorme, là, qui ressemble à des tanks dans les fordelles. Ça... Quoique, ceux qui étaient ultra speed vers la deuxième partie du... Putain de merde. Je... Ah, d'accord, on nous refait le coup des hallucinations. Donc ça, c'est le monolithe. Je comprends rien de ce que tu dis, meuf. Rien du tout. C'est des ballons ou c'est des œufs? Des ballons. Ah, hop. Vous allez à... Comment t'as pu tomber de là-haut? Tout ça c'est fermé. Mais ça pète le cul, quoi. Ouvre-toi, toi. Ah. Cool. Trêve. Ah, c'est quoi ça aussi? Un point de force. Putain, j'en ai déjà 3. Message. Non, je veux le message. Non, c'est pas ça. Non, ça on a fait. Alors, c'est le dernier que je viens de voir. C'est ça, ce... Non, secret. Monsieur Donovan, Dr. Bruce, je n'aime pas les secrets autour des nouveaux labos de l'aile psychiatrique. Donc oui, ils ont fait des tests sur nous, en fait. Ça fait 3 ans. Nanana. Ça se trouve, ils ont fait des tests avec le monolithe. Dans ce cas-là, ils sont quand même vachement cons, quoi. Parce que, putain, les mecs, vous avez vu, quoi, l'Ishimura était en contact avec le monolithe. Tout le monde est mort. L'oxygène délivré. Et oh, tiens, je fais des tests avec. Oh, mais pourquoi pas? Ah, ça t'avait vu. Oh, non. Oh, putain, mec, on a tombé. On va être dans une zone sans air. Et on a pas d'armure. Oui, voilà. Ah, d'accord. Donc ça, à mon avis, on va se le retaper, le truc là. Donc... Oh. Il va falloir se préparer. Toi, tu es un nécromorphe, toi. Eh ouais. Oh, bâtard. Oh, petit fils de pute. Oh. Oh. Voilà. Donne-moi ça, toi. Encore un point de force. J'en ai déjà 4. Ah. Oh. J'ai enfin pouvoir avoir mon armure. Oh oui. Bienvenue au microstock. Ingénieur CEC. Enfin je peux avoir mon armure. Mise à jour de votre inventaire aux normes de la compagnie. Donc, le coffre. L'inventaire que je possède. J'ai beaucoup d'objets de soins. J'ai pas mal de munitions, ce qui est plutôt cool. Acheter. Alors. Ah ah. Il y a les tenues. Par contre, il dit pas le coût de combien. Alors c'est quoi, 5% de dégâts supplémentaires, 15 emplacements d'inventaire, 15% d'armure garantie. Ah si, oh putain, elles sont toutes gratuites. Sauf celle-là qui coûte 1000. Oh, 10% de guérison supplémentaire, 15%. D'accord, alors ça c'est cool ça. 5% avec le moins bof. Avec le trancheur, le détonateur, le choc laser, stas augmenté. Stas, arme, 15% supplémentaire avec l'équipe de soins, 10%, du coup je prendrais peut-être plus celle-là, qui est gratos, du coup. Je sais pas si c'est des bonus, ou si réellement le jeu il te propose d'avoir autant d'armure gratos, ou si, voire même, c'est la première armure en fait qui est gratuite. Et après, tu dois payer. Là, ça va être déjà beaucoup mieux pour nous. Voilà, là au moins on est protégé. Enfin pouvoir se battre un petit peu mieux.
Oh, on est venu pour niquer des verres. C'est comme ça qu'on fait dans le bouche au noix. Alors, par contre, moi j'ai 9400 crédits, ça coûte... Pourquoi tout est gratos? Pourquoi tout est gratos? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, je pourrais tout acheter là quand même. C'est fou. Bah du coup, je sais pas trop. Je vais changer de cutter plasma. Alors soit il est un peu plus lent à charger mais il fait plus de dégâts. J'aime bien. J'aime bien. Sans regret. Je peux toutes les acheter hein, de toute façon les armes. Le trancheur j'aime bien. Alors tir alternatif, vitesse, tir principal, recharge. Alors cette fois-ci par contre le trancheur on va le faire comme ça. Fusil d'assaut. Celui-ci. Le découpeur. De toute façon, je crois qu'il a, il est assez lent de base, donc on va peut-être faire ça. Trop d'armes. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. On va mettre... Non. On va déplacer ça dans le coffre. On va déplacer ça. On va déplacer ça. Ah, voilà, là on est bien. De toute façon, j'ai déjà 3 armes, là, je crois, sur moi. Ouais, on est bien. On est bien. Alors, donc ça c'est fait. Changement d'armes. Ok. Alors par contre j'ai pas beaucoup de munitions pour les autres donc ça sert pas à grand chose. C'est quoi que je voulais? C'est ça. Normalement j'ai des emplacements en plus maintenant. Ouais. Ok. Je trouve ça quand même très con que tout soit gratuit. Pour l'instant je peux pas utiliser les points de force. Donc bon. Pourquoi pas. Entrée des urgences. Donc ça je sais, pas que. Ah, ça y est, on est en sans air. Zone de vide. On est dans une zone de vide. Alors là, on va se faire attaquer, bien sûr. Quoique, peut-être pas la première. C'est toujours impressionnant, parce que tu vois, tu as... Bon, on va regarder, puisqu'on se fait pas attaquer, t'as le point de vue. Ils ont quand même réussi à faire une ville, hein. Sur une lune de Saturne. C'est impressionnant. Alors, hop, tu me rouvres ça. Oh, bordel. Oh, bordel. Oh, ça, je le sais tout de suite, ça c'est de la salle qui pue la merde. Ça c'est de la salle qui pue la merde. Hop, il faut que j'aille là-bas. Oh, on est mal. On est très très mal. Là, étrangement, je vais pas y aller en courant. Hop, ça va. Ah, une brute. Oh, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Mais je suis pas tardé. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Wouh. En fait, c'est un boss en fait. Ah. Wouah! Oh fils de pute! Non! Pas d'accord! Je suis pas d'accord! Bah non, je veux ma stas! File-moi ma stas, putain! Ah! Arrête de me faire mal! Wouh! Oui, comme si tu n'avais pas de vie! Ah! Oh, tu l'as fait mal. Bordel de cul! Oui! Oh oui! On n'est plus sur la même base. On n'est plus sur la même base. Maintenant, il rampe. Oh, il rampe vite. Oh, il rampe vite, le cochon. What? J'ai poussé là. Ok. Bon, je crois que t'es mort. Attends, what? T'as une queue qui bouge ou pas? Comment t'es mort?
t'es pas mort. Fais ta pute. C'est ce que ça fait la rage. Dana, je sors de là. Bon, le tram est derrière les quartiers résidentiels. Attendez, je veux des réponses. Je suis là depuis quand? 3 ans. What? Steinman vous a récupéré près d'Egypte 7 et il vous a amené ici. Et pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Ah. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. Ah, il y a quand même plein de trucs. Alors je sais pas, peut-on appeler ça un boss, un mini boss? Je sais pas trop. On va utiliser ça tout de suite par contre. Waouh. Hein? Waouh. Je pensais pas d'autres mots. Quelle saloperie. La stase. Vraiment une salope. Quand je vais fonctionner. Ok, maintenance des véhicules. Après, en soi, les gros monstres, c'est pas les plus effrayants. Parce que du coup, ils sont gros, donc tu t'en doutes. Le plus effrayant, ce serait s'il me faisait un gros monstre dans un espace confiné. Ah, ça! Ça, je serais pas joyeux, j'avoue. Attends, dans ce cas-là, on va quand même aller regarder ici s'il n'y a pas quelque chose. Là, il y a des objets. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est rien ça. Il n'y a rien. Là, c'est bizarre, je trouve que le jeu il arrive à pas être fluide. Alors que merde quoi. Utiliser la télékinésie sur les symboles grip. Non, c'est pas ça. Hop. Là. Oh, on reste dans les conduits d'aération. Mais cette fois-ci, on peut se battre. Non. Ah non, t'as pas le droit de. Alors, dans ce cas-là, c'est juste des endroits pour faire peur. Tu vois. T'as pas le droit de te défendre. Tu fais comment? Par derrière? Par derrière? Non, ça va. Épisode 2. Ah. Crève. Ah, c'est plus du tout comme le premier où le premier t'es obligé de prendre le tram pour passer d'une zone à une autre, c'était comme ça que tu faisais les épisodes. Là, c'est vraiment dans le cours du jeu, quoi. Donc là, j'ai un stock. Alors, je vais vendre le plan, là, le truc que j'ai eu. Non. Comment on fait pour vendre? Il est où? Il est là, le semi-conducteur. Voilà. Hop, on prend ça, sans regret, oui. Beaucoup de munitions. Ah voilà, là ça coûte. Là ça coûte de l'argent. Et donc là les armures. Il y a quand même toutes les armes gratos. À mon avis, je devrais pas avoir toutes ces armes là et les armures. Les armures, j'aurais dû avoir, je pense, celle-ci. J'aurais dû avoir celle-ci uniquement d'armes. D'armure. Et je dois avoir tout. En fait, je dois avoir les DLC dedans. Je pense que c'est ça. Et donc du coup, bah, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ce balle d'assaut, ça coûte cher. Ça coûte un peu cher. Donc on va faire ça. Et il me faut les trucs pour le trancheur. Qui sont ici. Et qui coûtent très cher aussi. Voilà. Mais comme ça, au moins, on a des munitions sur plusieurs armes. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, d'ailleurs, on va changer peut-être. On va prendre le fusil d'assaut. Ah, voilà, c'est ça aussi. Les points de force. Alors, du coup, le rig, comme ça, je peux pas améliorer ma santé. Merde. Par contre, je peux améliorer ma force. Ça, c'est bien. Je peux améliorer mon air. Vache. La stase, on va améliorer la durée. Le Q,
tuateur, on va améliorer les dégâts. Les tranches. Capacité du. Non, on va faire. Allez, on va faire ça. Cutter plasma, je sais que je vais énormément m'en servir. Alors que c'est l'arme de base, hein, en fait, c'est pas forcément la meilleure arme, mais par habitude. Ok, t'as une fonction lance-grenade, toi! Merde, alors si je le loupe, faut pas forcément. Faut pas forcément se louper, tu vois. Pas grave. Ah, c'est encore mieux. C'est pas grave. C'est bon, c'est bon. À toi, toi. Ceci n'est pas un test. Veuillez vous diriger dans le cadre vers les issues les plus proches. Hop, on va plus de fin. Attention, ici le directeur Tideman. D'accord, c'est du directeur. Général est désormais effectif. C'est pas méchant en fait. Oh, sa gueule. Donc oui, réveille-moi quand c'est fini. Bah, à mon avis, je vais pas te réveiller. Il y a un zéro de force. Ah, mais j'ai plus de points de force. Crotte. Un point de sauvegarde. Cool. J'adore les points de sauvegarde. Alors. Survivant. Ah non, c'est du nouvel. Quoi, à mon avis, oh, tu vas vite. Merde, le con. Il est mort. Il y a les chauves-souris. Il y a les chauves de pute. Je le savais. Et faut que j'y aille. Ah non, c'est un ascenseur. Ah bah j'ai rien dit. Donc regardons cette scène de tristesse. Bah bon, ça va en fait. Alors attends, si j'arrive pas, on va le faire. Juste l'idée de me faire attaquer ici. C'est bon. Ouf. Parce que c'est des bonnes salles en fait ça. Ah merde! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah c'est bon, j'ai utilisé le module de stase que j'ai récupéré. Par contre j'ai un inventaire plein. S'il est moins cool. Oh! Ah! Ah ah! Alors ça je l'ai pas vu venir. Ça c'était pas mal ça. Oh! Merde! Quel con! Mais arrêtez de hurler! On a compris! Non, terre plein. Chier! C'est quoi en fait? C'est une zone de. Bah non, c'est un ascenseur. Mais c'est bon, on se casse. C'est bon, les gens ils sont en train de crever, c'est pas grave. Merde. C'est étrangeur. Ça par contre c'est... Oh toi t'es mort. Oh t'as pu te transformer. Quoi? Il y avait encore des survivants hein. Netflix and chip? Bro? Isaac, ouais. Par ici! T'es où? Ah, là-bas! Oui? Ici, hein? Qui êtes-vous? C'est les drogues, Isaac! Les drogues qui nous font oublier! Oui? Mais ça me rend. Putain, mais derrière, t'as vu tout ce qu'ils peuvent derrière lui, l'autre, il arrive! Isaac, fais attention! Wow!
Bien joué. Bien joué. Et merci. Voilà, comme ça je suis sûr. Donc maintenant ils me refont le coup des trucs avec pas de jambes. C'est cool. Oh non, c'est horrible. Enfant des gosses. C'est pas cool. Ah, attends, j'ai une nouvelle émission là-dessus. Hop, voilà. Putain, mais de l'autre côté, voilà tout ce qui se passe. Y'a rien ici? Si je fais ça, j'en saute. Non, je saute pas la veille. Dommage! Alors, on va ça, on va où ça? Je ne sais pas. Ah! Cassez-vous! Oh! De plus! D'hôtel, ça! Y'avait rien! Bougez où? Bougez là-bas. Alors on va aller là! Monstre! Où es-tu, le monstre? Ah! T'étais bizarre, toi. Pas d'autre? Pas d'autre. Très bien. Ah! Merde! Ah bah tiens, gérant de l'hôtel! Enfin, l'hôtel, quoi? Non, normalement, c'est un autre hôpital. En tout cas, toi, t'es morte. T'étais pas une des deux de tout à l'heure? Dommage. J'ai énormément de munitions, mais je peux rien faire. Je peux rien en faire du tout. Fixation. Ça me sert à rien. Vampire, on va pas prendre la recharge de ça, hein. De toute façon on va se poser à pleine, donc c'est pas grave. Allô? À l'huile? Gosse là-dedans? Ça peut être un bébé. C'est après tout, il y a ça aussi. Alors, toujours rester près d'une porte. Ah, okay. Voilà. Tant que c'est pas réglé, on attend. Voilà. C'est pas réglé, on attend. Hey, incroyable ça. C'est bon? Non, c'est pas bon. Alors là on est bon. Alors là on est bon. Vous m'excusez si je suis comme un peu pendant que je me bats, hein. Mais ouais, je suis un petit peu dedans. On va dire. C'est là, c'est que j'ai plein de munitions d'armes dont je ne me sers pas et donc du coup je vais pouvoir vendre. Voilà. Il n'y avait rien dans tout ça. Là-bas, il n'y en avait pas un que j'avais laissé en vie, non? Pas du tout. Ok. Tu vois, je suis très intelligent. Toujours rester près du. Près de, dans un angle. Alors, bon, on peut pas se faire enfermer. Mais. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas? Ok, on va aller là-bas d'abord. Ah bah, y'a rien. On va pas. Allez, casse-toi! Casse-toi dans mes pieds. J'étais en bas.
propre. Oui. Alors, hauteur du titan LS. J'aime pas aller sur les plans. Il y a des gens, ils savent, dans les chambres. Ah, mais si, j'étais là-bas. D'accord, moi j'ai fait le tour. Moi j'ai fait le tour. Message. Histoire de la conquête spatiale. On s'en fout. Ah, c'est pas là que faut que j'aille. Ah, c'est là. Ascenseur. On va continuer à grimper en fait. Ça. Hop. Les nécromorphes sont partout. Ouais. Toute la méduse est infectée. Comment c'est possible? Le monolithe était détruit, je l'ai détruit. C'était un monolithe, Isaac. Et oui, voilà. Mais ils en ont construit un autre. Oh, putain. Dans cette station? Pourquoi? C'est une technologie alien très puissante. Tyneman veut son pouvoir. Allez au tram, il vous mènera jusqu'au quartier des tours classiques. Tellement con le mec! Bon sang. Tellement con! Oh, voilà, c'est bien. Ça s'ouvre là. Point de sauvegarde, et donc à mon avis, on va juste surveiller que. Ah! On va faire la sauvegarde là, on va arrêter là l'épisode d'aujourd'hui. A mon avis, on va pas tarder à se retaper les bébés. Bah, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite sur Dead Space 2. Merci à tous. À la prochaine. Salut!